C'est une journée incroyable de mise en avant de l'escalade, et c'est le moment où on réconcilie en fait toutes les activités de la fédération avec l'olympisme. Je trouve ça fait des années qu'on entend parler de l'olympisme comme en même temps d'un Graal et en même temps du grand méchant. Il y a eu souvent des discussions, des débats passionnés dans notre fédé, et en fait là on a mis autour de la flamme des bénévoles, des gens qui sont impliqués dans des clubs. On a mis des grimpeurs de très haut niveau, on a mis dans ces grimpeurs des valides et des para-athlètes, mais on a aussi des tas d'assureurs et des tas de gens qui sont impliqués dans la fédé et qui font des tas de choses à tous les niveaux. Et en fait, tout le monde était fier, c'est ça qui était incroyable, tout le monde était fier. Et donc, oui, l'olympisme, finalement, on a l'impression que ça a permis ça, quoi. C'est une journée un peu exceptionnelle parce que ça arrive pas tous les jours, et après ça représente plein de valeurs, déjà le sport, l'égalité, le dépassement de soi, la performance, donc vraiment un gros truc entre guillemets. En plus là c'était un relais collectif avec que des grimpeurs, plein de gens de la fédé, donc c'était vraiment chouette. On a eu des relayeurs hyper motivés, hyper investis, qui avaient envie de tout donner pour représenter au mieux les Hautes-Pyrénées et la FFME, donc super ambiance, super énergie, et puis un beau spectacle, je pense, qui a plu à tous les gens qui étaient venus voir. Ah, c'est chargé d'émotions, une journée comme ça, c'est important, tu sais. Tu vois, ça fait des mois qu'on en parle. C'est vraiment un bel événement. En plus, bon, le fait que le chaudron se soit allumé là comme ça au pied de nos voix, et qu'on ait eu tous nos jeunes autour, c'est vraiment moi je trouve que c'est plein d'émotions. Et puis c'est une belle journée parce que tu vois, on a ouvert ça à toutes les régions quasiment de France. On a des jeunes de la Corse qui sont venus, on a des jeunes d'un peu toutes les régions, et c'est top quoi. Et les gens ils partent avec la banane, enfin on a passé un super moment, moi je dirais. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Alors moi je n'irai pas à Paris, mais je vais suivre les épreuves, bien sûr. En tant que grimpeuse d'équipe de France, on suit tous nos congénères, valides ou para, on n'est pas sectaire. Donc je serai derrière Oriane et Bassa, donc au moins eux, en espérant qu'il y ait plein d'autres qualifiés d'ici là qui feront partie de cet événement. Et oui, donc la suite de la flamme, c'est pour nous, ce sera Paris. Nous, on l'abandonne un peu là sur les autres régions, on va la regarder comme tout le monde, mais effectivement, nous, on va essayer de la retrouver à Paris avec le secret espoir d'avoir tous nos athlètes qui sont en ce moment là. Ils étaient à Shanghai aujourd'hui, ils rentrent demain, ils vont aller après à Budapest essayer de chercher la qualif. Et ouais, c'est sûr, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait un qui monte sur la boîte, comme on dit à Paris, avec une belle médaille autour du cou, ça serait génial. Ça va le faire, c'est sûr. Tu viens voir, ça va le faire. Alors c'est vrai que nous en para, pour l'instant on n'est pas olympique, on attend la réponse qui devrait arriver là, fin juin, dernier cara, donc on est tous très impatients, toute l'équipe para, on est tous impatients de savoir si oui ou non on sera au jeu en 2028. On croise les doigts, les orteils, tout, et voilà, on espère vraiment pouvoir faire partie de ce gros événement sportif, quoi. Au niveau du stress, c'était sacrément stressant. Voilà, on avait toujours l'incertitude sur le fait de réussir à monter à une main la flamme en haut du mur de 19 mètres. Et puis voilà, les incertitudes par rapport au fait de se la passer en haut, de faire attention avec le feu, parce que voilà, ça brûle et donc il faut faire gaffe. Donc on est content, tout s'est bien fini, et donc maintenant on va pouvoir relâcher la pression et fêter ça.